Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliana Antero, créatrice de Empower, kinésithérapeute et chercheur à l'INSEP. Nous allons parler sport féminin et j'aurai donc le plaisir d'avoir Émilie avec moi. C'est parti. Juliana, bienvenue dans Prépa et Performance. J'expliquais en introduction donc que tu es chercheur à l'Institut du Sport. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu ton parcours personnel et aussi sportif parce que tu es une grande athlète? Oui, merci déjà pour l'invitation. C'est un plaisir de participer de cette vidéo. Moi, j'étais athlète de haut niveau au Brésil. Je faisais de la gymnastique artistique. J'ai fait quelques titres en tant que championne panaméricaine. Ça équivaut un peu au championnat européen. Et puis, je suis kiné. Mais en venant en France pour donner suite à mes études, j'ai fait un master en biomécanique et puis un doctorat à l'INSEP en épidémiologie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'épidémiologie, c'est une spécialité qui nous permet d'étudier les grandes masses de données pour comprendre les tendances dans les populations. Et dans les cas de mes études, la population, c'était les sportifs et les sportives de haut niveau. Tu mets de côté aussi ta carrière de footballeur. Ah oui, on a joué du foot ensemble quand t'étais aussi à l'INSEP. Bah, j'adore le foot. Bah, je suis brésilienne, ça fait un peu cliché, mais j'adore le foot. Et je continue toujours. On continue à jouer les mardis, mais pas tant que ça les jeudis, mais on continue. On va devoir s'organiser ça. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né le projet Empower? Parce que du coup, tu es à la base du projet Empower qui est orienté sur le sport féminin. Et du coup, quels en sont les objectifs? Oui. Alors, une fois avoir fini mon doctorat à l'INSEP, j'ai continué, mais cette fois-ci, ben, j'ai continué à bosser à l'INSEP en tant que chercheuse. Et j'ai bossé pendant de nombreuses années en faisant des études sur la longévité et mortalité des sportifs de niveau. Et c'est en 2019, lors de la Coupe du monde des foot féminin, que l'équipe américaine qui a gagné la Coupe du monde fait une déclaration qui m'a surpris en disant que l'un des facteurs qui avait contribué à cette victoire, c'était la prise en compte de leur cycle menstruel. Et là, c'est le moment où j'ai dit, mais j'ai passé toutes ces années à l'INSEP, j'ai fait des recherches et c'est vrai que j'ai pas étudié rien que ce soit spécifique à l'athlète féminine. Et quand j'ai commencé à regarder, essayer de comprendre pourquoi, j'ai compris que j'étais pas la seule. En fait, il y a très peu d'études chez la femme, les sujets féminins en général, que ce soit dans le sport ou pas. Et on étudie moins les femmes, c'est ce qu'on appelle les sex data gap. C'est vraiment, on a moins de données pour les sujets féminins. Et donc, on comprend moins ce qui est spécifique aux athlètes féminines, comme le cycle menstruel. Et c'est de là qu'est née l'idée de créer un projet pour accompagner les athlètes féminines en quête des Jeux Olympiques de 2024, qui sera à Paris. Et donc, c'est là qu'avec Alice Meunier et mes collègues à l'INSEP, parce que nous avons créé une équipe pour cela, qui est né le projet Empower, dont le but est d'accompagner ces athlètes féminines, identifier les profils hormonaux de chacune pour qu'on puisse adapter la charge d'entraînement en synergie avec leur profil hormonal, en tirant profit des fluctuations hormonales au lieu de les subir, que c'est ce qu'on faisait jusqu'à là. C'est excellent comme idée. Du coup, tu mets en place ces études-là sur l'INSEP, sur la prise en compte de l'entraînement à travers le cycle. Est-ce que tu peux nous décrire les différentes données qui sont prises en compte sur combien d'athlètes est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est quotidien, hebdomadaire? Là, ces projets, il a commencé à différentes vitesses selon les disciplines sportives. Mais aujourd'hui, on a environ 80 athlètes qui sont suivis dans le cadre du projet Empower. Et elles sont suivies quotidiennement, c'est-à-dire on a, parce que notre suivi il s'est fait à distance, parce que c'est fait grâce à l'analyse des données. Donc, quel type de données? Nous avons une appli les matins, les athlètes rentrent les informations de leur état de forme, c'est ce qu'on appelle les monitoring de l'athlète pour savoir s'ils sont
s'ils ont bien, si elles ont bien dormi, si elles se sentent bien, etc. Et à cela, on ajoute toutes les informations liées au cycle menstruel. Mais pas que, parce qu'on suit aussi celles qui sont en aménorrhée, c'est-à-dire qui n'ont pas les règles. On suit aussi celles qui prennent la pilule. Donc, en fait, on suit toutes les athlètes. Et c'est à partir de ces suivis qui n'est fait pas en exclusion a priori, qu'on identifie les différents profils hormonaux. Et donc, on fait l'appli du matin et ensuite, ça dépend de chaque sport, on aura les capteurs de puissance pour les cyclistes, par exemple, on aura les GPS pour les joueuses de foot, on aura pour d'autres sports où la charge externe n'est pas si facile à quantifier, on prendra des mesures classiques des quantifications de la charge comme la durée de l'entraînement multipliée par les ressentis de la difficulté de la séance. Donc, on prend ces mesures tous les jours, après tout, avant les entraînements, après les entraînements, et on va aussi associer certaines prises hormonales, qui ça se fait par la salive, pour déterminer les hormones sexuelles féminines, comment elles sont en train de fluctuer au cours du suivi. Du coup, j'imagine que ça fait beaucoup, beaucoup de données. Est-ce que vous avez pu mettre en avant là, des résultats où est-ce que vous en êtes au niveau des résultats? Il y a les premiers résultats sont sortis déjà pour les athlètes qui ont finalisé la première partie, c'est ces profilages hormonaux. Et c'est super intéressant parce qu'au départ, on est parti comme ça sans trop savoir si on serait en mesure d'identifier l'influence du cycle. Parce que d'une part, les cycles, c'est très complexe. Parce que déjà, je pense que c'est important de définir, parce qu'en discutant avec les entraîneurs, parfois même avec les athlètes, quand on parle cycle, les personnes entendent règles. Mais non, les règles, c'est juste la partie visible du cycle. Mais entre la menstruation et la prochaine menstruation, il y a plein de choses qui se passent. Il y a tout un tas de fluctuations hormonales et c'est ces fluctuations hormonales qui vont donner lieu à une ovulation. C'est les moments clés du cycle et qui va permettre de différencier les phases de l'athlète au cours d'un cycle menstruel. Donc, ça, c'est un point important. Et donc, mais on ne savait pas si on allait réussir à identifier parce qu'on savait que le cycle, il est très individuel. Et donc, même quand je parle, donc on commence par la menstruation, après on a la phase folliculaire jusqu'à l'ovulation, et puis nous avons la phase lutéale. Donc, dans la première phase jusqu'à l'ovulation, les hormones sont plus bas. Et là, l'augmentation d'estrogène. Et dans la phase lutéale, l'estrogène et la progestérone sont très élevés. Sauf que la plupart d'études qui sont assez controversées sur ces sujets, ils vont comparer une partie de la phase lutéale, une partie de la phase folliculaire. Sauf que si on ne suit pas les profils de l'athlète, on ne sait pas si ces phases sont vraiment comparables entre les différentes athlètes. Pourquoi? Parce qu'on a pu observer dans notre étude et que certaines, la montée d'estrogène vient bien plus tard. D'autres, la montée d'estrogène est associée déjà avec la montée de la progestérone, tout en ayant un cycle normal cliniquement par rapport à des saignements réguliers. Donc, c'était pas si facile. Donc, il fallait du temps et on a suivi les athlètes pour faire les profilages pour environ 6 mois. Et on commence à identifier en effet des profils où il y a une influence des fluctuations hormonales sur leur réponse à la charge d'entraînement. Et je trouve ça, c'est très intéressant parce que ce sont des choses qui ont passent peut-être à côté et bah, ça s'applique pas à toutes les athlètes, mais un tiers environ, ça rentre dans ces profils qui bénéficieraient d'une adaptation de la charge d'entraînement en fonction des fluctuations hormonales. Donc, une sur trois, donc, et je pense que c'est assez important pour un groupe d'athlètes, et no notamment celles qui ont les cycles naturels. Certaines qui prennent la pilule, à travers notre suivi, on arrive à identifier si la pilule elle est bien adaptée à l'entraînement. C'est-à-dire, il a un côté où il a la prise en charge médicale, qui ça c'est quelque chose de complètement dissocié de ce que nous faisons dans le sens où on va pas donner des conseils ni intervenir sur les choix
les contraceptions, ça, on ne va pas faire, même si dans notre projet, on est accompagné par le département médical de l'INSEP, avec Carole Maître, la gynécologue. Et donc, on va pas avoir des conseils à donner par rapport aux choix contraceptifs. Mais une fois que cela a été choisi, l'athlète, elle est bien d'un point de vue médical. À travers notre suivi, on peut identifier aussi s'il est bien aussi d'un point de vue la charge d'entraînement et la réponse à la charge d'entraînement. Parce qu'on a vu qu'il y a des athlètes qui prennent la pilule et même si elles font la pause là de 7 jours, parce que ça dépend des types de pilules, mais juste l'exemple le plus classique dans le sport, c'est la pilule monophasique. Donc, il y a la même concentration d'hormones pendant 21 jours. Après, il y a une chute d'hormones parce qu'elles font une pause de 7 jours. Pour certaines, cette pause n'impacte en rien son entraînement. Donc, on peut conclure que d'un point de vue d'un athlète de niveau, cette pilule, elle est bien adaptée à son entraînement. Or, certains athlètes, quand il a la chute d'hormones, mais il a plein de symptômes, on voit bien qu'elle répond pas à l'entraînement de la même façon. Donc, on peut s'interroger si cette pilule, elle est bien adaptée à sa pratique sportive, bien qu'elle soit sur les plans médicaux. C'est ça. Et pour les athlètes en cycle naturel, il y a certaines que, bon, pour l'instant, j'ai pas vu une seule en cycle naturel qui ne bénéficierait pas d'une adaptation de la charge parce que celle en cycle naturel, on voit vraiment les phases différentes au cours du cycle. Et est-ce que cette notion de profil hormonal, c'est quelque chose que tu avais déjà retrouvé dans la littérature ou des choses qui sortent actuellement dans la littérature? Est-ce qu'il y a des études qui ont pris en compte, ce profil hormonal? Je n'ai pas l'impression, non. Je pense que ça, c'était un peu l'originalité de notre projet. C'est de prendre en compte ces profils parce que c'est qu'on voyait, quand on a démarré notre projet, on voyait bien des études qui comparaient, c'est ça, les études classiques. Déjà, elles sont pas nombreuses sur l'athlète féminine, encore moins sur les cycles menstruels. Et celles qui existaient faisaient une comparaison simple, phase mi-folliculaire, mi-lutéale. Est-ce qu'il y a des différences? Sauf que, si les cycles avaient un impact majeur, oui, on serait en mesure d'identifier des différences. Mais comme l'impact n'est pas si flagrant, donc c'est un peu plus difficile de comprendre, d'identifier ces différences, si ce n'est en suivant pendant ce qu'on appelle un suivi longitudinal, pendant plusieurs cycles. Et aussi en identifiant ce qui est spécifique à chaque athlète. Donc, leur profil hormonal qui nous permet vraiment d'identifier quelles phases elles sont plus amenées à réaliser un certain type d'efforts. Là, pour être plus clair, je vais vous donner un exemple. Dans les groupes d'athlètes des cycles naturels, on voit par exemple, il y a plus globalement, mais ça c'est dans la littérature scientifique, mais dans nos études aussi, la phase folliculaire. C'est la meilleure phase en général. Donc, c'est cette phase-là où tout va bien, notre humeur va bien, notre état de forme, on dort bien et on produit plus à l'entraînement. Et la phase lutéale, c'est celle un peu plus difficile où il serait plus intéressant de prioriser les stratégies de récupération. OK, sauf que la durée de la phase folliculaire de chacune est différente et l'importance de cette phase, elle est différente aussi. C'est-à-dire, certaines athlètes, la fenêtre optimale d'entraînement des puissances, ça se trouve au début de la menstruation, okay, au début des règles, et va jusqu'à l'ovulation, à peu près. D'autres, la fenêtre, elle est un peu plus courte. Elle ne comprend pas la période des règles parce qu'elles ont des symptômes, elles souffrent un peu. Et donc, sa fenêtre optimale commence un peu plus tard. Certaines, même, la meilleure phase, c'est à l'inverse, c'est la phase lutéale. Et on va dire, mais pourquoi? Mais alors, en fait, c'est qu'on a fait l'analyse de ses hormones, c'est là où elle a la plus grosse montée d'estrogène. Et donc, son profil hormonal, il est complètement différent des athlètes qui ont une fenêtre optimale en phase folliculaire. Et c'est ça que c'est intéressant. Mais ce qu'on a observé, c'est que toutes les athlètes ont une fenêtre optimale jusqu'à là. Peut-être qu'on aura plus des données plus tard et je dirais qu'on a trouvé des athlètes qui sont plutôt complètement stables au cours du cycle, mais pour l'instant, on voit bien apparaître la phase proche de la période fertile, ça serait la phase top. C'est super.
Du coup, là, vous allez plutôt focaliser votre deuxième partie d'étude sur le type de profil hormonal qui fluctue plutôt sur les cycles naturels. Est-ce que tu penses que pour les autres profils, les athlètes qui sont sous pilule, qui sont bien stables et où on n'a pas l'impression qu'on a besoin d'adapter l'entraînement, est-ce que tu penses que, il n'y aurait pas quand même une adaptation qui devrait être apportée dans leur entraînement quotidien? Je pense que pour celles qui ont un profil plutôt stable, l'adaptation serait celle d'une adaptation à l'individualisation de l'entraînement. C'est que c'est très utile dans le sport, notamment du haut niveau. Donc, adapter l'entraînement au profil des athlètes, c'est toujours utile. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de se concentrer sur les fluctuations hormonales. Et on peut se concentrer sur d'autres paramètres. D'ailleurs, comme on fait un suivi, on essaye en tout cas d'être multi-paramétrique. Pour ces athlètes où on trouve plutôt une stabilité indépendante des fluctuations hormonales, on observe par exemple, ah, mais par contre, pour toi, et on fait les retours, ben c'est quand tu dors pas bien, c'est là que ça va pas. Donc, elle peut se concentrer sur d'autres éléments plutôt qu'il y ait la fluctuation hormonale. Mais ces cas-là, il est plus lié à celles qui prennent la pilule. J'ai envie de dire même celles qui prennent la pilule monophasique, parce que celles qui prennent la pilule biphasique et triphasique, elles ont plus tendance à avoir des fluctuations aussi, parce qu'il y a une fluctuation dans la composition hormonale. Et finalement, les cycles naturels, c'est comme je disais tout à l'heure, on en a des fluctuations hormonales liées aux phases, liées aux fluctuations au cours du cycle. Ça entrevoit des vraies possibilités pour l'individualisation de l'entraînement. C'est vraiment très intéressant, justement, si on se projette un peu sur le plus tard. Comment toi, est-ce que tu envisages les années de recherche à venir sur le sport féminin? Qu'est-ce que tu voudrais voir apparaître? Je pense que ça serait très intéressant d'un point de vue de l'accompagnement de l'athlète féminine, d'avoir des moyens technologiques peut-être nous permettant d'établir les profils plus rapidement. Aujourd'hui, ça nous prend un certain temps et un certain nombre et volume de données pour qu'on soit en mesure d'établir un profil plus ou moins stable au cours du temps. Donc, j'ai dit stable parce que si l'athlète, elle n'échange pas des moyens contraceptifs, si elle commence pas à prendre, si elle n'échange pas des méthodes de contraception hormonale, n'échangera pas. Ou du moins pas si elle n'a pas des gros changements dans sa vie. Mais ça, c'est la première chose. Ça serait intéressant d'avoir des méthodes de biomarqueurs pour nous permettre plus facilement d'identifier les profils. C'est ce qu'on essaye de faire à l'INSEP, parce que plus on a d'athlètes, plus on voit qu'il y a certains éléments du profilage qu'on peut faire plus rapidement. Et plus rapide on va, plus on sera en mesure d'établir ces profils rapidement, plus ça sera utile pour leur donner les informations quant à leur fenêtre optimale d'entraînement, la fenêtre où elles doivent faire vraiment attention à la récup. Et ça, je pense que ça serait quelque chose qui changerait un peu la façon de s'entraîner pour les athlètes féminines. Et est-ce que le projet Empower a pour but justement de pouvoir s'orienter sur ce type d'outils de captation de données ou ce sera uniquement orienté sur un aspect recherche? On n'a pas aujourd'hui l'INSEP, l'objectif outil. Mais on a vraiment l'objectif de passer à la deuxième phase, maintenant qu'on a compris les profils, donc on comprend l'influence des fluctuations hormonales sur la réponse à la charge d'entraînement. On voudrait vraiment passer à l'étape suivante. OK, comment on adapte l'entraînement? Parce que pour moi, personnellement, j'ai adapté mon entraînement, je sens la différence. Et c'est clair et net. Mais pour qu'on puisse changer dans le sport des très haut niveau, comme sont celles-là qui ont suivi et qu'elles ont fait Tokyo, elles ont fait les Jeux de Pékin, les Jeux d'hiver, et qui feront Paris 2024, il faut qu'on soit très sûr dans ce qu'on fait. Et surtout, elles ont déjà des méthodes établies, des méthodes d'entraînement établies des décennies d'expertise. Donc, il faut qu'on fasse de petit à petit ces changements. Donc, on commence à tester cela avec les entraîneurs de ces athlètes, les moyens d'adapter la charge d'entraînement sans pour autant basculer leur planification générale. Parce qu'en plus, ils en ont plusieurs athlètes. Donc, comment ils peuvent tirer profit de ces profilages sur les terrains? Donc, globalement, l'idée aujourd'hui s'y dessine. C'est en fait déjà, d'une part, l'athlète quand elle sait,
elle peut savoir, quand elle est au courant, voilà, je suis dans ma fenêtre, tu... première consigne, elle donne tout ce que tu as. Déjà, c'est là, c'est ton moment, vas-y, fonce. Et dans la deuxième phase, du moment qu'elle sent qu'elle arrive pas à arriver à son max à l'entraînement, déjà qu'elle va pas culpabiliser, qu'elle ne cherche pas trop loin, elle dit, OK, c'est normal, mais en contrepartie, je vais dormir bien plus tôt. Si c'est un profil qui dépend un peu des nombres d'heures de sommeil, je vais manger comme ci ou comme ça. Je vais peut-être diminuer les heures des déplacements, la charge mentale, je sais pas. Mais l'athlète, elle, déjà, elle peut savoir comment elle-même peut aménager sa charge. En tout cas, c'est qu'elle attend de son entraînement. Et pour les entraîneurs, l'idée, c'est vraiment sur la partie des prépas physiques. Parce que c'est là qui c'est forcément individuel, déjà, la préparation physique. Et en plus, comme on voit bien la phase optimale pour la puissance, c'est là qu'on peut essayer de travailler pour construire plus de muscles pour l'hypertrophie. Et en ces moments, d'augmenter la charge en hypertrophie, la charge dans le sens volume ou intensité ou nombre de séances dans la fenêtre optimale. Et compenser par une diminution de la charge là, les moments où les rendements, il n'est pas optimal. Donc, on pourrait trouver un équilibre juste et optimiser l'entraînement juste en mieux plaçant les séances d'entraînement. Parce qu'il y a déjà des études qui l'ont fait, mais sans pour autant avoir profilé les athlètes avant, juste de façon très pragmatique. On double les séances en phase folliculaire et on coupe à la moitié en phase lutéale. Ça pour les premiers groupes. Les deuxièmes groupes, ils ont fait l'inverse. Et les troisièmes groupes étaient les groupes contrôle, donc les mêmes nombres de séances indépendamment des phases. Et les résultats sont flagrants. Il y a une augmentation de la performance en termes de hauteur du saut, de la masse maigre avec un DEXA. Donc, ils ont mesuré vraiment la taille trans. La taille du muscle, c'était des jambes, ouais, des membres inférieurs. Et pour celles qui ont fait plus de séances en phase folliculaire, les gains, c'était pendant, c'était 12 semaines d'entraînement, ils étaient bien plus importants que celles qui ont fait l'entraînement 3 fois par semaine, indépendamment des phases du cycle. Par contre, celles qui ont placé plus de séances en lutéal, les gains, ils n'étaient pas énormes. Et donc, ça, pour moi, c'est assez important à signaler parce que c'est entraîner contre notre corps, ça peut être contre-productif. Et donc, on est surtout dans le sport de haut niveau ou bien, si on n'est pas dans le sport de haut niveau, c'est juste on aime faire du sport, mais on veut optimiser nos séances parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on travaille ailleurs. Ben, ça, c'est très intéressant de savoir quelle séance je ne peux pas rater. Déjà, quelle est ma fenêtre optimale? Et les autres séances, OK. Mais si j'ai envie d'aller à fond et je sens que je peux aller à fond, vas-y, c'est qui suis-je pour dire n'est pas aller jusqu'au bout. Mais par contre, il faut savoir qu'après, il va falloir compenser, dormir un peu plus et compenser avec les stratégies nutritionnelles aussi. Ça peut vraiment nous permettre de repenser complètement les stratégies de programmation, de planification qui ont toujours été basées sur des modèles très masculins. Oui, c'est ça. Et c'est ça que je trouve. Je pense que ça peut être très intéressant pour les préparateurs physiques, les kinés, les entraîneurs qui souhaitent améliorer la qualité de leur planification d'entraînement. Et prendre en compte les phases du cycle, ça peut être vraiment quelque chose vraiment très intéressante. Après, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est très individualisé. Et c'est pas à portée de la main de tout le monde savoir quelle est ma fenêtre optimale. Mais il y a des moyens. Ce qu'on fait à l'INSEP, c'est avec la haute technologie, j'ai envie de dire, même si ce n'est pas tout ça, c'est juste que ça prend du temps. Il y a des chercheurs derrière pour analyser les données. Mais l'athlète, elle pourrait déjà, enfin, disons que c'est un athlète qui a un cycle naturel, même si elle a la pilule, mais qu'elle souhaite savoir quelle est ma fenêtre optimale. Je pense que la première chose, c'est de commencer à prendre note sur les phases de cycle. C'est-à-dire, ça peut être sur un appli, sur Excel, sur un bloc-notes, peu importe. Elle note les jours de son cycle et ses propres observations. Est-ce que je me sens en forme? Est-ce que mon humeur? Est-ce que j'ai envie de manger beaucoup de sucre?
parce que le métabolisme aussi il change au cours du cycle. Ben, ça s'explique l'envie de manger du sucre en fin des cycles. Ça s'explique aussi. Donc, si elle commence à noter des choses, elle va voir apparaître des patterns, c'est-à-dire des choses qui reviennent toujours à peu près au même moment. Donc, ça ne veut pas dire que c'est. Ça veut dire, je suis un folliculaire, tout va bien, je suis un lotéal, tout va mal. Non, c'est bien plus subtil que ça. Ça dépend des autres variables, ça dépend de l'environnement, ça dépend de plusieurs choses. Mais si on commence à prendre note, on voit des patterns apparaître. Toujours les mêmes phases commencent. Ah oui, mais c'est bizarre. Je suis de bonne humeur. Genre, mes potes m'invitent à sortir, je vais sortir. Mais dans une autre phase, ils vont m'inviter à sortir, je sais pas, j'ai la flemme. Et ce sont des choses comme ça qu'on va voir apparaître et qui peuvent déjà nous informer quelles sont les bonnes phases. Ça, c'est déjà une bonne piste pour optimiser les séances d'entraînement, c'est-à-dire augmenter la charge dans la bonne phase. Donc là, tu nous donnes des super conseils justement pour une jeune pratiquante qui voudrait améliorer la prise en charge de son cycle sportivement. Est-ce que tu aurais aussi des conseils que tu pourrais amener dans le cadre de l'entraîneur ou du préparateur physique qui voudrait lui justement s'améliorer dans la prise en charge d'un public féminin? Oui, je pense que la première chose, ce serait de savoir que c'est un paramètre en plus à prendre en compte. J'ai dit en plus parce que ce n'est pas les paramètres à prendre en compte, c'est un paramètre supplémentaire, mais qui peut être très important pour certaines athlètes. Donc, pour que l'entraîneur, les préparateurs physiques, les kinés, ils puissent savoir si c'est le cas pour l'athlète, il faut qu'ils parlent avec les athlètes sans tabou. Donc, mon conseil, ce serait déjà ça. Discuter avec l'athlète. Pourquoi? On a montré par exemple dans nos suivis que les symptômes liés au cycle menstruel, ils ont un impact plus important sur l'entraînement que les douleurs liées aux blessures musculo-squelettiques, du moment qu'il s'agit des blessures qui leur permettent de continuer à s'entraîner. Donc, elles viennent à l'entraînement, elles ont blessure, un mal au genou, mal à la cheville, à la hanche, je ne sais pas. Et elles déclarent cela sur l'appli. Et parfois, elles viennent à l'entraînement, elles ont un symptôme et elles déclarent cela à l'appli. Celui qui va avoir le plus grand impact à l'entraînement, c'est les symptômes. Et pourtant, les athlètes ne vont pas oser parler des symptômes dans sa grosse majorité. Parce qu'elles vont dire, ah, ça va pas trop aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais elles vont contourner la situation sans trop dire, ah bah oui, bah, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mes règles, j'ai mal. Or, ça peut avoir un impact sur l'entraînement, tout comme une blessure où l'athlète n'est pas à sa capacité de performer à sa capacité optimale. Et donc, est-ce que c'est la bonne journée d'essayer de faire les séances à plus haute vitesse, à plus haute demande, et d'essayer de nou nouveaux mouvements qui ne sont pas encore maîtrisés par l'athlète? Donc, ce sont ces questions-là qui sont importantes à prendre en compte. Et aussi, bah après, ça c'est plus difficile pour en termes de cas pratiques, mais bon, non, je vais mentionner un autre exemple, ça sera plus peut-être simple à appliquer tout de suite. C'est aussi la question de la disponibilité énergétique, parce que ça c'est une question aussi liée à l'entraînement pour les athlètes féminines, c'est qu'il y a un grand nombre qui commence à rentrer dans une situation de déficit énergétique chronique. C'est-à-dire, elle ne mange pas assez par rapport à ce qu'elle dépense en tant que sportive. Et ce mange pas assez, il est très individuel. Donc, c'est quelque chose de facile et évident à identifier. Ah, ben, elle mange pas assez ou pas. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à déterminer. Par contre, si les cycles commencent à être irréguliers, l'athlète, ça peut être un signe des surentraînements. Et donc, ça, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai pu discuter avec la chercheuse qui a mis en place les suivis des cycles des Américaines, les championnes de la Coupe du Monde. Et c'est qu'elle m'a informé. J'ai pu discuter, on a échangé des données. Elle a dit, du moment que les cycles commencent à varier déjà d'environ 5 jours, on peut tirer un signe d'alerte. Or, pour les femmes en population générale, 5 jours, ce n'est rien.
Ça rentre pas, on ne doit pas s'inquiéter. Ce n'est pas qu'on va s'inquiéter ou paniquer pour l'athlète de niveau, c'est juste que c'est là, ça pourrait être une mesure d'adaptation à la charge d'entraînement. Et du moment que ces déficits chroniques ils s'installent par rapport au déficit énergétique, ou soit vraiment c'est la demande de l'entraînement qui dépasse la capacité de l'athlète, il y a ces dérèglements qui ont pouvoir dans les cycles. Pourquoi? Parce que les cycles, c'est un témoin de la santé générale de la femme. Tout simplement parce que c'est une régulation très précise entre les hormones. Enfin, ça, c'est les Wi-Fi entre les cerveaux et les ovaires. Donc, s'il y a quelque chose qui perturbe là, ça ne va pas bien marcher. Et donc, on peut utiliser ça comme un critère. Est-ce que l'athlète s'adapte bien à mon entraînement? Et du moment qu'elle commence à avoir des cycles trop irrégulier, c'est-à-dire qu'il commence à manquer au cours de l'année, voire ne plus avoir ses règles, là on doit s'inquiéter parce que l'aménorrhée, elle est associée à un plus grand risque des fractures de stress. Donc, l'athlète, si on commence à voir des déficits énergétiques, l'athlète ne mange pas assez, les cycles de plus en plus irréguliers, après elle n'a plus les règles. C'est très commun parce qu'on suit certaines athlètes à risque, on va dire, et le nombre des fractures de stress qui s'enchaînent. Donc, l'importance, ça peut être un conseil pratique pour les entraîneurs, c'est vraiment chercher à savoir la régularité du cycle des athlètes. Or, si elles prennent la pilule, on ne peut pas savoir. Okay? Parce que la pilule va donner des règles, mais ce ne sont pas de vraies règles. Ouais, c'est des infos qui sont, je pense, vraiment très intéressantes et qui vont amener beaucoup de gens. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont sensibilisées à ces problématiques-là, parce qu'on reçoit aussi des commentaires sur les vidéos qu'Émilie peut faire sur le sport féminin. Justement, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils en termes d'ouvrages, de ressources à aller fouiller pour des personnes qui souhaiteraient aller encore plus loin sur ces thématiques? Ah bah oui, je vais conseiller de voir la chaîne Instagram qui s'appelle Empower Sportive parce que là, moi j'essaie de mettre en évidence les actualités scientifiques autour de l'entraînement féminin, mais aussi j'ai même séparé ici un bouquin que j'aime beaucoup, s'appelle Rower. Bah c'est en anglais, mais il a la traduction en français, c'est Stacey Sims, c'est les premiers, je pense aujourd'hui, l'un des seuls qui aborde les sujets du cycle menstruel avec tant de clarté. Et c'est très intéressant parce qu'elle parle de tous ces sujets qu'on vient de discuter là aujourd'hui. Merci beaucoup. On Super. remettra les liens, évidemment, d'Empower et des différents contacts pour les gens qui voudraient aller voir plus loin de ce que tu proposes, pour le bouquin également. Oui. Et tu sais que tu seras toujours la bienvenue sur Prépa et Performance pour montrer les résultats de tes futurs travaux, etc. Et ce sera toujours un plaisir de t'accueillir. Ah bah avec plaisir, avec cette audience bienveillante que vous avez, c'est top. Merci. Merci Juliana. À bientôt. Merci à vous. Une nouvelle fois, je voudrais remercier Juliana pour le temps qu'elle a accepté de nous allouer. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous dans cet échange. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La vraie Oui, la Instagrammeuse! personne qui a posé la question m'écrit et dit: merci beaucoup de m'avoir répondu, mais j'ai rien compris.